Le groupe SEB travaille avec près de 1 700 fournisseurs industriels dans le monde. Nous avons une grande responsabilité quant à la réalisation de nos produits dans des conditions éthiques. Nous avons engagé une politique d'achat responsable en informant et contrôlant nos fournisseurs du bon respect de nos exigences sociales et environnementales. En 2012, cette politique a été renforcée par de nombreux projets, comme l'externalisation des audits sociaux et environnementaux confiés à la société SGS, ou encore le suivi des substances chimiques via le standard REACH par la plateforme web dédiée Ecomondo. Une charte des achats responsables a également vu le jour en lien avec le code éthique groupe. Elle a été envoyée aux fournisseurs panel pour signature. Elle reprend l'ensemble de nos exigences en matière de respect des droits de l'homme et des principes éthiques, sociaux et environnementaux. Le groupe SEB vend 6 produits par seconde dans 150 pays. Le transport de nos produits, ainsi que des matières premières et composants qui servent à les fabriquer, est l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Le groupe a clairement l'ambition de les réduire. Fin 2009, un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre liées au transport a été établi et le groupe continue à le fiabiliser depuis. Ce bilan nous permet d'avoir une vision d'ensemble de l'impact environnemental des différents flux de marchandises, depuis nos fournisseurs jusqu'à nos usines, depuis nos usines vers les filiales et depuis les filiales jusqu'au point de vente. La mesure de l'empreinte carbone nous donne une vision globale de l'impact écologique des flux de transport et constitue la première étape indispensable pour les optimiser. Le groupe SEB intègre le développement durable en logistique autour de deux axes principaux. D'un côté, l'amélioration du taux de remplissage des camions ou des conteneurs maritimes, et de l'autre, le développement de modes de transport doux alternatifs à la route, comme les voies fluviales ou le train. Par exemple, la consolidation des expéditions depuis nos plateformes, des produits qui ont été fabriqués par nos usines en France, vers les filiales, permet de maximiser le chargement des camions et des conteneurs. Un projet transversal a également été déployé dans les usines du groupe, qui visait à inclure les contraintes logistiques dès la première étape du processus de développement des produits et des emballages, EFIPAC. Ainsi, en modifiant de quelques millimètres seulement les dimensions des emballages de la friteuse Active Fry, le site de Is-sur-Tille a réussi à augmenter de 20% le chargement des camions et à réduire d'autant les émissions de CO2. EFIPAC a aussi été déployé au niveau mondial, y compris pour les produits fabriqués par des fournisseurs externes au groupe.